Hey, salut tout le monde, c'est Atomania et on se retrouve aujourd'hui pour le 12e épisode de The Minish Cap. Donc la dernière fois, nous avons cherché des flacons. Nous avons toujours pas trouvé un autre flacon. Parce qu'en fait, il faut avoir un objet, enfin un petit objet, qui est donc la cape de roc. Donc on va aller chercher ça tout de suite, mais... La vallée des rois. Ah, Tom, ça fait quoi de se retrouver dans cet endroit lugubre? Tu n'as pas, même pas peur, même pas un peu? Et moi, évidemment que non. On y va, ouais. On va y aller. Comment on fait pour être tué, déjà? Ah bah c'est bon. Aïe, aïe, je sais qu'il y a un truc ici. Ah purée. Bienvenue à la fontaine des aventuriers. Ouais. Le premier élément que tu as trouvé est bien l'élément feu, oui. Ce n'est pas bien de mentir. Ah non, c'est l'élémentaire. Ok. Non. Ton grand-père, c'était... Non. Besoin de certains... Ouais. Bien, question suivante. C'est bien la... Non, la noix blabla. Bien, question suivante. Le manteau de Darthès, le roi d'Hyrule, est bien de couleur blanche, non, il est rouge. Oh, le grand carquois. 50 flèches, là, ça va. En plus, elle avait confisqué nos flèches. Hein? Ah mais cet endroit il est lugubre, il fait un peu peur. Hein. Il fait quand même assez peur. Ok. D'accord. Les fantômes vont dire les bouts. Ah, attendez, oh, je veux ma lanterne. Voilà. Oh. Lire gauche. La gauche c'est par là. Même direction que la pancarte précédente. Ok. La direction qui est la première pancarte, c'est en haut. Alors, lire, droite. Ok, donc c'est par là. La même direction qui est l'avant-dernière pancarte. Donc la gauche. L'avant-dernière pancarte. Alors donc c'est la gauche. Non. Attendez, il faut que je bombe mon délice sur les mêmes. Allez! Allez! Alors, du prendre des potions. Alors, gauche. Je me suis trompé. Armée. Alors, haut. Voilà. Gauche. Par ici c'est par ici, on va avoir un peu de lait, hop, voilà. Alors même direction que la portière précédente, bon, on y va. C'est limite, promenons-nous dans les bois. Même direction que la première pancarte. Alors, on va en haut. Droite. Même direction qu'à l'avant-dernière pancarte. Ah, c'est vers le haut peut-être. Voilà. Oh purée. Alors, il faut une clé. Il y a une maison ici. Mais c'est Igor!
Salut mon gars, je suis Igor le Fossoyeur. L'esprit du roi t'a appelé? Je vois, c'est l'esprit d'un ancien roi d'Hyrule. Il vient dans mes rêves aussi parfois. Il repose dans son tombeau. Attendez, je vais voir un peu. Tiens, pour la clé du cimetière, il va lui rendre visite. Ah, tu les étais barbu. En caméra. Alors. Aïe. La clé. Cette fichue commune nous a piqué. Poursuivi, il faut le récupérer. Ah, il est où le corbeau? Ah mais... Il fait comment pour récupérer la clé? S'il fait que se barrer? Allez! Allez! Voilà. Il est mort. Alors... On n'a pas d'autre choix qu'à aller à cet endroit avec notre indice pour trouver des éléments. Tu pourrais me donner aussi un indice pour trouver, pour récupérer la clé. Attendez. Non. 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 Ah, les bottes de Pégase. Ce qui est pas trop mal. Voilà, j'ai récupéré la clé. Oh, on a récupéré. On va ouvrir un portail. Oui, on va l'ouvrir. Voilà. Oh purée. Oh purée. Je vais t'ouvrir un portail, sois tout dans mon gars. Oui, merci. Attendez. Parlez, qu'est-ce que tu fais là? Mon frère habite là-bas, c'est un petit passeur, mais j'adore, j'espère qu'il va bien. Ok. Ah. Ah ah. Comment je peux passer? Oh, moi je suis, je peux passer. Allez hop. Voilà. Très facile. Et bien maintenant on va rentrer dans le tombeau du roi. Bah, la clé. Merde. Une petite clé. On va prendre des bombes au cas où. Même si on n'en avait pas trop besoin. Ah, on va tomber. Armé. Voilà. Faut trouver deux autres clés. Oh purée. Ah, allez. Oui.
faut aller voir comment ça se passe ici. Ok. Allez. Ça va, c'était simple. C'était assez simple. Allez, voilà, je suis pas dessus, voilà. Oh là là. Voilà. Wow, wow, ouf. Les cœurs, s'il vous plaît. C'est pas parce qu'il vous reste un fragment à avoir. Ah putain, faites tomber les rois, les gens. Oh mais non. Mais qu'est-ce qui se passe? Arrête. Meurs. Allez, meurs. Et il me reste que 3 coeurs. Non. Oh lol, la triforce en peau. Là, faut que je rachète des potions en même temps. Faut que je rachète des potions. Y'a pas des coeurs dans un côté. Non, y'a que des rubis. Jeune homme, je t'attendais. Je suis Gustave, le roi d'Hyrule, d'un an passé. Je sais que tu cherches à sauver la princesse Zelda, ma descendance. Prends ce fragment et rends-toi à la source des eaux. Le fragment t'ouvrira la voie. Le destin de Zelda et l'avenir d'Hyrule sont entre tes mains. Super. Super. Ça fait tout drôle d'être convoqué par un roi du passé. La source des eaux, je me demande bien où ça peut être. Eh bien, là, nous, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se quitter là, les gens. Je suis poursuivi par un fantôme. On va se quitter là, les gens. Alors, je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. À mon compte Twitter également. Laissez un petit like ou un petit commentaire, ça me fera plaisir. Allez, salut tout le monde.